Il faut savoir que l'association Amazon a été créée en 2017 par la fondatrice qui s'appelle Alexandra Arnay. Elle est journaliste de métier et elle a voulu créer un magazine qui nous ressemble. Un magazine qui parle des femmes ultramarines avec leurs problématiques particulières et un magazine vraiment qui nous fasse envie de l'ouvrir et de le lire en fait. Et donc c'est la troisième édition. C'est la troisième édition de ce magazine. Et là, à côté de moi, j'ai Elodie, qui est donc une Amazone. Voilà, donc Elodie qui est une Amazone et qui fait partie du magazine. Donc c'est une Amazone Paris. Elle a posé pour Amazone Paris pour cette troisième édition en fait du magazine. Je suis Elodie, j'ai eu le cancer du sein pour mes 36 ans, donc il y a 2 ans, et avec 2 récidives. Donc je vais commencer une chimio dans quelques jours. En plus aujourd'hui c'est mon anniversaire. J'ai posé pour le magazine parce que je suis très sensible. Alors déjà je suis une Amazone donc je suis sensible à la cause. Mais c'est surtout que l'idée de nous avoir créé une association pour les femmes touchées par le cancer, pour les femmes d'outre-mer, j'ai trouvé que c'était très important par rapport à la culture que nous avons, la culture que nous avons, l'éducation que nous avons eue aussi, et puis d'avoir des personnes qui me ressemblent. Le contenu du magazine de cette année, vous avez des conseils, vous avez des conseils par rapport à la prévention, parce que c'est très important de faire de la prévention, même avant 50 ans, la preuve. La prévention est très importante, même avant 50 ans. La preuve, j'ai été touchée par le cancer à 36 ans. Il faut se faire palper, il faut en parler à son médecin pour pouvoir demander à ce qu'on puisse être testé, à ce qu'on puisse vérifier si tout va bien, de regarder ses seins, de ne pas hésiter à toucher sa poitrine et à la regarder et à voir s'il n'y a rien de différents, de gênants, et que la moindre alerte, de ne pas hésiter à en parler à un médecin, que ce soit le gynécologue, que ce soit le médecin traitant. Je n'ai pas encore fait de chimio, moi j'ai une double mastectomie, donc, parce que mes 2 seins ont été touchés. C'était 2 cancers différents, mais les 2 ont été touchés. Donc on m'a enlevé les seins, et là j'ai une petite poitrine avec prothèse, on va dire. Je subirai la chimio la semaine prochaine, donc je verrai. Ça sera une surprise. La peur, pour ma part, la peur est surtout sur ce que je serai pendant cette période-là. Est-ce que je serai affaiblie? Est-ce que je serai une autre personne, encore une fois? Parce qu'on ne va pas se le cacher. Le fait d'avoir un cancer change les choses. Ça rend plus fort, mais pas tout de suite. Il faut digérer la nouvelle, il faut apprendre à vivre avec la nouvelle, avec le regard des autres, avec le ressenti des autres, avec l'annonce, la façon dont vivent les gens par rapport à cette annonce-là. Et puis ensuite, le corps change, donc il faut aussi apprendre à se réapproprier son corps et peut-être un jour à l'aimer aussi, tout simplement. Oui, alors c'est vrai que notre action est plutôt centrée sur les femmes d'outre-mer, les Guyanaises, les Réunionnaises, donc Martinique, Guadeloupe et le Pacifique aussi. Mais par contre, nous accueillons tout le monde. Donc parmi les membres du bureau, nous avons une Camerounaise, nous avons des adhérentes qui sont, on en a une qui est malienne, et nous avons 3 Camerounaises. Donc notre action se dirige effectivement vers les femmes d'outre-mer, mais nous accueillons tout le monde. Voilà. Donc on ne reste pas centré au niveau des adhésions, donc seulement sur les Antilles. Donc nous, on a cette ouverture vers les autres. Troisième numéro, nous avons voulu vraiment mettre en avant ce qu'on appelle les colibris. Ce sont tous ceux, en fait, qui, par une action, par un mot d'encouragement, nous aide. Donc il est en partie consacré à ces colibris. C'est important d'avoir autour de nous des gens qui nous aident.
C'est important pour nous de nous occuper des Amazones, mais on ne le peut le faire correctement que si nous avons des gens qui nous aident et qui croient en notre cause. Et c'est pour ça que nous avons voulu témoigner à ces colibris notre affection et notre gratitude, parce que c'est important. Parfois, le cancer, ça peut faire peur. Et ces personnes, en fait, elles viennent à nous avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Donc, on a des témoignages de colibris qui nous accompagnent. D'ailleurs, il y en a qui sont venus aujourd'hui, ici, dans la boutique, pour nous interpréter un titre. Donc, je salue particulièrement l'association CAFraternité, voilà, qui nous accompagne depuis le début. Voilà. Et donc, sur la couverture, vous avez le mannequin qui est marraine de l'association Amazon Martinique. Alors, c'est une communication qu'on tend à développer. Donc, l'association existe depuis un an. Et notre objectif, effectivement, c'est de développer un partenariat avec tout le corps médical, avec les médecins qui sont donc soit à l'Institut Curie ou à l'IGR. Donc, il faut savoir qu'on a un an. Mais, par exemple, en Martinique, où l'association existe depuis 3 ans, il y a un véritable partenariat qui s'est noué avec le corps médical, donc dans le Pacifique aussi. Et c'est effectivement dans notre feuille de route. Nous voulons développer ce côté expertise médicale pour le bien de nos patientes. Voilà. Et au niveau de la communication, nous avons essentiellement notre page Facebook, donc, où on publie effectivement des informations. Et nous avons aussi un compte Instagram qui existe depuis pas longtemps, depuis le 1er octobre. Et Elodie, voilà. Et c'est elle qui fait vivre ce compte Instagram, donc, pour l'association Amazon Paris. Donc, vous voyez, c'est vraiment des bonnes volontés, c'est du bénévolat. Si vous voulez nous rejoindre, donc, ce sera vraiment avec plaisir. La seule condition, c'est être prêt à donner de l'amour et à en recevoir. Voilà. Parce que c'est pas pour rien qu'on dit Amazon, c'est l'amour. C'est vrai. Il y a beaucoup d'amour dans notre association. Je suis Stella de Nice Works et donc j'expose ici dans la boutique de José et Sam avec Glam Ethnic et en association aujourd'hui avec Amazon, le magazine pour le combat contre le cancer des seins. Et c'est une cause qui est très importante parce qu'en tant que fille, femme, mère, c'est une cause qui nous tient à cœur en ce qui concerne la maladie où la femme doit être remise en question dans sa féminité, dans sa beauté. Mes créations qui vont donc des habits, des pulls qui sont travaillés avec des tissus de l'Afrique, du Togo essentiellement, avec des chaussures, différents articles que nous faisons. C'est une occasion pour nous de pouvoir mettre en avant la féminité, les couleurs de l'Afrique et dans toutes circonstances, en maladie ou en bonne santé, que la femme soit toujours belle dans tous les cas, à n'importe quel âge. Et donc c'est une occasion formidable ici où nous sommes regroupés. En tant que plusieurs créatrices, de pouvoir montrer ce que nous faisons et accueillir Amazon et mettre le point sur le fait que les femmes doivent aller se faire dépister. C'est important de pouvoir savoir quel est l'état de santé de tout un chacun. Et donc, nous encourageons vraiment les femmes à pouvoir aller se faire dépister. Les Africaines sont des combattantes. Elles sont connues pour être des combattantes depuis des siècles. Oui, il y a des Amazones, il y a des drames qui se passent aussi sur le plan de la santé. On n'en parle peut-être pas beaucoup, mais ce sont des femmes qui souffrent souvent silencieusement. Et c'est bien de pouvoir mettre la lumière sur ce genre de cas. Et donc, j'espère que cette interview pourra être répercutée jusqu'en Afrique pour que les femmes prennent conscience de l'importance de pouvoir aller se faire dépister pour éviter des drames. Écoutez, ayant travaillé dans le milieu médical, bien évidemment, on est souvent confronté à des difficultés de toutes sortes. Nous avons des maladies qui sont connues au niveau de la famille ou des proches, mais nous essayons de les soutenir, de soutenir cette personne de la meilleure manière que possible et nous-mêmes de savoir comment pouvoir gérer cette situation qui ne sont pas du tout faciles. Donc vraiment aujourd'hui, c'est un clin d'œil pour apporter de la joie, pour apporter du réconfort et de l'espoir pour toutes ces personnes qui souffrent et les personnes qui les accompagnent. Ah,
Ah, tout à fait, parce que moi-même, je fais une mammographie avant tous les 2 ans, mais maintenant c'est tous les 3 ans, parce qu'on ne sait jamais. Et quand on est dépisté à temps, donc il y a beaucoup de choses qui s'arrangent, quoi. Donc il ne faut pas attendre, il ne faut pas avoir peur. Maintenant, ils envoient, c'est gratuit pour les femmes. Je trouve que c'est triste quand ça arrive. Alors vaut mieux aller se faire dépister pendant qu'il en est encore temps. Je suis là pour ce qu'on appelle le mois d'octobre, pour l'Octobre rose, devant la boutique de mes amis. Et je trouve que c'est une très belle initiative. Il faut penser à toutes ces femmes qui sont atteintes dans leur chair. Qu'est-ce que je peux dire à toutes ces femmes? Qu'elles sont vraiment des guerrières, des battantes. Je leur tire mon chapeau. Et franchement, je suis de tout cœur avec elles. Et moi-même, j'ai dans ma famille de cœur ma mère nourricière qui est atteinte à nouveau d'un cancer du sein gauche. Il y a 3 ans, c'était le sein droit. Et là, rebelote, mais ça va, bon, elle garde le moral. J'ai une pensée très profonde à toutes ces femmes qui se battent au quotidien. Et aussi, il y a quelques hommes aussi qui sont aussi atteints du cancer du sein, mais on n'en parle pas assez, je trouve. Allez-y, n'ayez pas peur de vous faire dépister tous les 2 ans, ou si vous voulez, même tous les ans. Moi-même, je le fais. Donc, allez-y. Merci. Il faut mieux prévoir que guérir. Je suis Chantal Labonne et je suis heureuse de participer à cet événement avec l'association Amazon. Alors cet événement est symbolique, en tout cas ça prend tout son sens par rapport au fait que la femme, la valorisation de la femme par le biais des styles vestimentaires est importante. Et j'aime bien cette association des créateurs. Alors oui, c'est une cause qui est très importante. À mon sens, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'association Amazon où j'ai pu justement animer un atelier. On a parlé de la valorisation de soi par rapport au contexte. On a justement, lors de cet atelier, on a mis en évidence la femme pour qu'elle puisse apprendre à s'aimer malgré le fait qu'elles aient cette problématique, ces problèmes de santé. On a mis de côté les problèmes de santé et on s'est focalisé sur la femme elle-même. Et cette association a toute sa valeur à mes yeux. Et je fais un petit clin d'œil à Claudine. C'est une très belle rencontre, qui est la présidente de l'association Amazon de Paris. Et vraiment, je leur souhaite vraiment beaucoup de... Alors, j'ai beaucoup appris avec elle, hein, vraiment. Je suis venue partager mon savoir-faire en termes de valorisation. Et lors de cet atelier, j'ai également beaucoup appris sur la persévérance, la joie de vivre. Et je suis sortie de là très fortifiée et très émue. Aujourd'hui, je les revois et je suis encore émue. On se sert... Enfin, voilà, bon. On essaye de garder les distances, on se sert comme il faut. Voilà, on s'envoie de belles énergies. C'est vraiment une très belle association. Moi, je leur dirais, c'est vrai que ça n'est pas évident d'y aller, mais ça vaut le coup de faire ce pas. Faites-vous accompagner, n'y allez pas seul. Si toutefois vous avez quelques appréhensions, faites-vous accompagner d'amis ou des personnes de l'association, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que ça n'est pas évident de se rendre pour faire des examens et avoir cette interrogation par la suite à savoir si on est atteint ou pas, on est atteint ou pas du cancer. Donc faites-vous accompagner si vous avez cette appréhension. Alors c'est très délicat en termes de discours et d'approche, hein, parce que la féminité, elle est remise en cause, hein, après une ablation. Donc mon rôle, c'est justement de leur permettre de trouver des choses qui les mettent en valeur. Il n'y a pas seulement les tenues, des couleurs. Et voilà, je suis... les couleurs. C'est...
ça n'est pas mon quotidien, mais en réalité, je me dis, en fait, ça n'est pas évident de dire à une femme qui vient de subir une opération de s'accepter. Donc, ce ne sera pas un discours de cette façon. Voilà. Il y a plusieurs étapes, plusieurs étapes d'acceptation. Il y a la phase de la maladie, mais c'est après la maladie. J'interviens après, lorsqu'on est en phase de guérison, pour apprendre à se réapprécier de nouveau, de s'accepter, de se regarder différemment et de se mettre en valeur de façon différente. Ça ne change pas les valeurs humaines, ça ne change pas en fait. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque je les accompagne, je m'oriente plus sur leurs valeurs internes, en fait, intérieures, pour les remettre, pour leur permettre d'extérioriser cette dimension interne, en fait, cette valeur humaine, cette joie de vivre, à réapprendre à se connaître. Sous forme de coloris, en fait, je trouve que c'est mieux d'avoir une approche ludique, très attractive, parler des couleurs, les couleurs qui permettent d'avoir plus de luminosité, qui permettent d'avoir plus de détermination, d'affirmation. Voilà, c'est plutôt cette approche. Je n'aborde pas trop la partie corporelle. Vous pouvez me contacter directement via les réseaux, Agence Beaufouli. Je suis Chantal Labonne, la fondatrice. Sur les réseaux, je suis présente sur Instagram, sur Facebook. Et récemment, j'ai été interviewée par Madame Figaro, qui a accroché de mon concept, parce que je reste sur un concept très personnalisé, très atypique, avec une dimension humaine, qui n'est pas rattachée à la mode, juste pour le fashion, mais vraiment une dimension humaine de valorisation de chacun. Alors Beaufouli, BEAUFU2LY, et le site c'est www.beaufouli.com.